Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo bonus qui va être assez courte. Aujourd'hui, je reviens pour vous annoncer que je vais ouvrir un Patreon. C'est une plateforme que vous devez peut-être déjà connaître si jamais vous suivez d'autres créateurs et créatrices de contenu. Plateforme qui permet de soutenir les créateurs et créatrices de contenu que vous regardez. Donc, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire sur la plateforme. Je suis une novice encore sur cette plateforme. J'ai seulement commencé à créer mon compte et à voir un petit peu ce que la plateforme pouvait proposer. Je connais un peu la plateforme grâce à Nina également qui en parle beaucoup dans ses vidéos et à également à Camille qui m'a d'ailleurs aidé pour quelques petites choses par rapport à Patreon, parce que je vous avoue que quand vous vous lancez là-dedans, des fois il y a pas mal de petits questionnements. Du coup j'ai décidé de lancer un petit Patreon pour que si jamais le cœur vous en dit, vous puissiez me soutenir sur cette plateforme là. Si le cœur vous en dit et si vous avez les moyens surtout de soutenir un petit peu des créateurs et créatrices de contenu. Le but c'est pas de se mettre dans la merde pour histoire d'être abonné à tous les Patreons de tout le monde, hein, loin de là. Pour ma part, j'ai décidé du coup de faire un Patreon. Alors, je pense qu'il y aura des choses qui vont peut-être évoluer au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, puisque je vais apprendre à connaître un peu mieux cette plateforme, à voir un petit peu ce qu'elle peut proposer, ce que je peux faire également sur la plateforme. Si jamais il y a des choses que je trouve un peu limitées, j'essaierai de changer quelques petites choses. Mais en soi, pour l'instant, j'ai décidé de faire trois paliers différents sur la plateforme, trois paliers où vous pouvez me soutenir selon vos envies et selon vos moyens également, avec des petits avantages supplémentaires. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique qu'avec les abonnements YouTube, parce que YouTube a des abonnements qui d'ailleurs ne fonctionnent pas forcément beaucoup. Je trouve qu'ils font pas forcément la pub de leurs abonnements comparé à Twitch, où par exemple vous pouvez payer un abonnement grâce à votre Prime, vous pouvez acheter également un abonnement à 5€ ou alors à 25€. Enfin vraiment, vous avez plein de types d'abonnements différents, vous avez même des Beats, je crois qu'ils existent encore, qui permet de rémunérer un petit peu le créateur que vous regardez. Et YouTube, c'est vrai qu'ils ont mis en place les abonnements, je trouve ça fonctionne pas plus que ça, et vous n'avez pas forcément les moyens. Nous en tant que créateurs de contenu, on peut pas forcément échanger avec les personnes qui s'abonnent sur YouTube, on peut pas vraiment, on n'a pas forcément un endroit spécial où on peut vous parler avec vous. Du coup c'est un petit peu compliqué d'échanger avec les personnes qui s'abonnent sur votre chaîne YouTube par exemple. YouTube prend également beaucoup sur les abonnements que vous achetez pour soutenir tel ou tel créateur. Donc Patreon c'est également un moyen d'échanger un peu plus en fait avec les personnes qui vous soutiennent et de potentiellement donner quelques avantages selon les paliers que les personnes vont choisir. Comme je vous l'ai dit, pour ma part j'ai choisi de mettre trois paliers qui vont porter des noms en rapport avec la lecture, bien évidemment, des noms en rapport avec certains univers que j'aime beaucoup. Alors le premier palier c'est le Grand Nord Magnifique, palier qui est proposé à 5€ par mois. C'est le premier palier qui vous permet du coup d'avoir quelques petits avantages. Alors, ce premier palier vous permet déjà juste de soutenir un peu ma chaîne et de soutenir mes vidéos, mais également d'avoir des remerciements avec votre pseudo qui seront à la fin de mes vidéos, et également d'avoir un accès prioritaire à mes vidéos YouTube normalement 24 heures avant. Je pense pas que ce sera au-delà, parce que en ce moment c'est un peu le rush dans ma vie, donc je pense pas que ce sera au-delà de 24 heures. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un petit avantage, de garder un peu la vidéo en avance. Globalement, le principe, c'est de soutenir ma chaîne aussi. Le deuxième palier, il s'appelle Uritiru, forcément. Ici, c'est un petit clin d'œil aux archives de Rochard, parce que je ne pouvais pas ne pas mettre de clin d'œil à un livre de Sanderson, donc forcément, j'ai choisi Uritiru. Le deuxième palier est à 10€ par mois. Alors, c'est à chaque fois quand vous augmentez, en fait, au niveau des paliers, vous avez toutes les récompenses d'avant, bien évidemment, qui sont acquises. Donc là, vous avez les remerciements à la fin de mes vidéos YouTube. Vous avez un accès prioritaire à mes vidéos YouTube également, généralement 24 heures à l'avance. Il y aura également une vidéo exclusive par mois. Donc je sais pas quel thème ce sera. Je laisse un peu ce format libre. Ça peut être un vlog, ça peut être une vidéo thématique, ça peut être également une vidéo que vous me proposez, par exemple si je mets un sondage entre plusieurs types de vidéos, et bien vous pouvez choisir directement sur le site de Patreon. Ce sera vraiment différent chaque mois et je sais pas vraiment quand ça tombera également dans le mois. Ça dépend des mois aussi, ça dépend l'agenda IRL, donc il y en aura une par mois c'est sûr. Au début du mois, mi-mois, fin mois, je ne sais pas, mais ça finira par arriver. Ça permet de faire une petite vidéo bonus avec une thématique qui va changer tous les mois. Et le dernier petit avantage, c'est qu'il y aura une participation à des sondages qui seront utilisés pour des vidéos thématiques. Vous savez que j'aime bien également de temps en temps faire des petits sondages, par exemple sur Instagram ou ce genre de choses, pour faire des vidéos thématiques. Donc soit je vous demande
quel genre de lecture je vais lire, ou alors vraiment un choix entre deux titres. Là, ça fait quand même quelques semaines que j'ai pas fait ça. Mais du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas mettre ça également en avantage pour les personnes qui vont me suivre sur Patreon. Comme ça, de temps en temps, je ferai... Alors, ça veut pas dire que je vais arrêter de faire les sondages sur Instagram, les sondages sur Discord ou ce genre de choses. Mais c'est juste que je me dis, de temps en temps, je peux faire des vidéos thématiques avec les... Peut-être les gens qui me suivent sur Patreon aussi. Donc peut-être que je ferai, par exemple, Patreon choisit mes lectures, avec un vlog du coup qui sera consacré à des lectures que les gens qui me suivent sur Patreon auront choisi au fur et à mesure de la semaine, par exemple. Je me dis que ça peut être chouette. Donc voilà, petite idée. Alors il n'y aura pas forcément que ça en sondage. Peut-être qu'il y aura également un sondage sur, voilà, j'hésite entre deux vidéos pour ce vendredi. Est-ce que vous pouvez m'aider à choisir? Est-ce que vous voulez voir ça d'abord ou ça d'abord? Enfin voilà, ce genre de sondage. Ça peut être plein de sondages différents aussi. Je laisse également le choix pour cette catégorie-là. Et le dernier niveau, c'est le niveau Jet City. Forcément, je n'ai même pas besoin de vous dire à quelle saga ça fait référence parce que c'est dans le titre directement. Le niveau-là, alors moi de mon côté, je vois qu'il est proposé à 15$. Je crois qu'en euros, ça fait 14,50. Si je dis pas de bêtises. C'est le plus haut niveau en fait que vous pouvez prendre sur mon compte Patreon. Alors, ce niveau-là permet d'avoir toutes les choses avant, bien sûr. Donc, les remerciements à la fin des vidéos, l'accès prioritaire à mes vidéos YouTube, vidéos exclusives chaque mois, donc ce sera la même hein, qui sera proposée pour le niveau 2 et le niveau 3, la participation à des sondages également qui seront utilisés pour des vidéos thématiques, et ce qu'il y a en plus, c'est qu'il y aura la réception d'une lettre avec des goodies tous les 3 mois. Donc il faut que vous soyez abonné pendant 3 mois consécutifs pour recevoir la lettre avec les goodies. Ça permettra de vous proposer des choses que je peux pas forcément proposer sur ma boutique, ou alors soit des choses que je vais mettre sur ma boutique mais que vous aurez vous directement grâce à votre abonnement Patreon par exemple. Donc ça peut être plein de choses aussi. Je laisse vraiment le choix pour vous proposer des goodies divers et variés. D'ailleurs, pour ce troisième palier, je souhaitais directement faire un petit kit de lancement, on va dire. Si jamais vous choisissez de me soutenir avec ce troisième palier directement, il y aura un envoi dès le mois de mars. À chaque fois je vais prendre vos adresses mail et je vous enverrai un petit mail durant le mois de mars. Demandez de choisir des petites choses qui sont déjà disponibles sur ma boutique, puisque là j'ai pas encore... Vous vous doutez bien que je fais que lancer là mon Patreon, j'ai pas encore les choses que je vais vous envoyer pour le trimestre. Je me disais que pour le lancement de mon Patreon au mois de mars, vous allez pouvoir choisir sur parmi tous les articles qui sont dispo sur ma boutique, deux marque-pages et un sticker, ce que je vous enverrai du coup directement au mois de mars. Si jamais vous allez prendre ce palier là, n'hésitez pas à checker vos mails parce que vous allez recevoir un mail de ma part et il faudra me répondre via le mail là avec votre choix. Donc de toute façon ma boutique Etsy qui est en barre d'infos. Donc vous pouvez aller checker directement sur ma boutique Etsy, voir les articles que je propose et comme ça vous pouvez faire votre choix. Vous vous dites, bah voilà, je souhaiterais recevoir le marque-page Hollow Knight par exemple parce que j'ai un marque-page Hollow Knight, ou alors le marque-page Anya et le sticker Dark Academia par exemple. Donc voilà, je vous laisserai faire votre petite commande et vous me répondez ça par mail. Normalement si vous souscrivez à ce troisième palier, Patreon vous demande votre adresse directement, donc vous n'êtes pas obligé de remettre votre adresse dans le mail. Mais ça, je vous dirai par mail si jamais j'ai bien les adresses directement avec votre compte. De toute façon, je vous le dirai directement si j'ai bien votre adresse directement avec le compte Patreon, parce que comme c'est la première fois que je vais utiliser cette plateforme-là, je vais également devoir chercher où ça se trouve, mais au pire j'appellerai Camille et je dirai oui bonjour, tu peux m'aider parce que je sais qu'elle fait également des envois de goodies et qu'elle est quand même devenue une pro quand même sur ce point-là. Donc je lui demanderai peut-être un peu d'aide si jamais je suis paumée. Donc voilà un petit peu pour les différents paliers. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a déjà une personne qui s'est abonnée à ce troisième palier. J'ai juste parlé du fait que j'allais ouvrir un Patreon dans ma vidéo FAQ et j'ai vu que quelqu'un s'était déjà abonné. Alors que j'avais mis le lien nulle part et que j'ai juste évoqué le fait que j'étais en train de créer un Patreon, donc merci beaucoup, c'est très gentil. Du coup, la personne qui a pris l'abonnement pour le troisième palier mais recevra un mail de ma part durant le mois de mars pour choisir les petits goodies à recevoir. Un petit peu pour la présentation de ces paliers. Alors bien évidemment le but principal c'est de soutenir les créateurs et créatrices de contenu, c'est vraiment le but en fait de Patreon, et du coup je trouve ça chouette de mettre quelques avantages pour certains paliers, notamment là le palier 2 et 3. Alors je n'ai pas bloqué on va dire de lecture commune avec Patreon pour l'instant,
puisque déjà je ne sais pas combien de personnes il va y avoir sur mon Patreon, si vous allez être beaucoup ou pas, je ne sais pas. Je n'ai pas encore créé de Discord non plus dédié à mes Patreons, pareil, j'attends de voir combien il va y avoir de personnes. Si jamais vous êtes vraiment beaucoup, je ferai peut-être un petit Discord à part pour les personnes qui me suivent sur Patreon. Pour l'instant, je trouve que les petites lectures communes que je fais sur mon Discord, qui est vraiment libre d'accès à tout le monde, hein, le lien de mon Discord est en barre d'infos, tout est gratuit. Je trouve que de faire une lecture commune par mois avec les personnes du Discord comme ça, c'est déjà pas mal. Peut-être que par la suite, si vous êtes plusieurs sur Patreon à me suivre, on fera peut-être une LC ou sur vraiment un titre qui nous hype tous. Ça peut clairement se faire, mais pour l'instant, je vais vraiment attendre de voir un petit peu le nombre de personnes qui va me suivre et du coup d'essayer de voir en fonction de ça ce que je peux mettre en place ou pas. Donc voilà pour cette petite vidéo présentation. Si jamais dans les semaines qui arrivent ou dans les mois qui arrivent il y a des petits changements, je vous en parlerai de toute façon dans une vidéo. Je vais m'arrêter ici pour cette petite présentation. Vraiment à remercier d'avance les personnes qui vont me soutenir sur cette plateforme. Ça va me faire extrêmement extrêmement chaud au cœur. Le lien de mon Patreon sera du coup dans la barre d'infos. N'hésitez pas à juste checker également pour revoir les différents niveaux si jamais vous voulez revoir un petit peu les avantages qui vont être pour tel ou tel palier. Voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Moi du coup je vous retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Là c'était vraiment une petite vidéo bonus pour vous expliquer un petit peu le lancement de mon Patreon. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous retrouve du coup dès demain pour une prochaine. Et merci d'avance aux personnes qui vont me soutenir sur cette plateforme.